przyjęła apartament Moskwa, asocjalnie się cieszę. Do apartamentu Moskwa. Żułam woli, mam po to woli, dawać ci tu kontakt. Wolimy na kuro, ci, i wiem, co się nie wiedzieć. Ce type se parle vraiment axé sur les récepteurs FC-pylone, les polynucléaires et les oxydocytes. Ce type se parle vraiment axé sur les récepteurs FC-pylone. Allez, je vous en prie. En fait, je suis de forte affinité au lieu de faible affinité. D'accord? Se trouve, c'est oui ou elle est oui. Se trouve à la surface des lymphocytes B associés à des IgM monomérites. C'est les IgD qui se trouvent à un IgM. Peuvent être causés par des techniques immunoenzymatiques. Oui, donc réponse juste. Donc c'est C et E. Hein. Donc réponse juste. C et E. Alors, quelle est la molécule de surface des lymphocytes B indispensable à la commutation de classe? C'est D40. Et que vous, c'est D40, ça va être sur le lymphocyte B. D'accord? C'est OK? Quel sera le plus court? Ah, nécessaire à la commutation. C'est D40 qui gagne. Alors, IgG peuvent activer le complément? Oui. Majoritaire parmi les IgG sériques. Oui. Exprimé à la surface de lymphocytes B mature naïf. Non. Par contre, quel rôle exprimé à la surface de lymphocytes B mémoire? Oui. Oui. Allez. À la phase d'abord d'activation de l'antigène. Une réponse secondaire. D'accord. Sous l'effet de commutation de classe, il va changer. Le BCR qui se trouve dans le IgM chez l'autre IgG. Donc, les immunoglobulines de type IgG et IgA, on peut les retrouver sur le B secondaire. D'accord? Alors, peuvent passer la barrière hématoplacentaire? Oui, oui. Peuvent induire le phénomène d'ADCC? Oui. Donc, réponse juste, A, B, D et E. Alors, accès IgM, les supports de propriétés fonctionnelles suivants. Reconnaissance de l'antigène. Fixation du complément. Oui. Activation des mastocytes. Transfert placentaire. Oxygénisation. Donc, réponse juste. B. IgA secrète quoi? Dimérite. Oui. Possède une pièce secrète quoi? Oui. Joint un rôle important. Oui. Peuvent activer le complément par sa voie classique, traverse la barrière hématoplacentaire. Donc, réponse juste A, B et C. Alors, au cours de la maturation des lymphocytes B, les probés produisent une chaîne nu membranaire. Elle est encore intra-cytoplasmique. Les cellules très B expriment une chaîne légère de substitution. Oui, les pays matures expriment IgM et IgD. Les pays immatures expriment IgM et IgD. Je crois que la pays immature a la chose mieux d'ailleurs, pays immature. À la fin, il n'a pas encore fait son IgD. C'est le pays mature qui comprend une IgM et une IgD. Le B immature, il n'a que une IgM. Les pré-B commencent à réarranger les gènes biologiques des domaines variables de la chaîne nu. Oui, oui. Les pré-B commencent le renard, la mue, donc déjà commence à être réarrangé. Oui. Donc, fait le pré-B, est-ce qu'il commence à réarranger les gènes? Déjà synthétisé, c'est le réarrangement de la chaîne légère qui va s'effectuer du pré-B. C'est OK? La sélection négative permet d'éliminer le clone autoréactif. Oui, donc réponse juste B et E. La commutation isotypique induit une maturation d'affinité.
D'accord? Non. La chaîne légère, tu t'en vas. Tu t'en vas. T'as pas ou elle est là. D'accord? Garde la spécificité antigène de l'anticorps. Oui. Bien entendu, se déroule au début de la réponse primaire. Donc, fait réponse secondaire. Alors, les réponses justes, c'est B et D. Combinaison de classe. C'est bien que tout à l'heure. Génère des anticorps de même spécificité hétérotypique. Oui. Génère des anticorps de spécificité allotypique différente. Oui. Appuie la synthèse d'anticorps différents par leur fonction effectrice FC. Oui. La formulation de classe, bien sûr qu'elle a un oui. Mais le choix en définition de classe a lieu au cours de la réponse et une secondaire. Est un phénomène T indépendant. Donc réponse juste A, B, C et D. Commutation de classe est un phénomène antigène indépendant. Fait intervenir l'action des cytokines. Se fait suite à un réarrangement génique des régions variables. Nécessite une interaction entre CD40 sur le B et son ligand sur le D. Oui. Aboutit à la sécrétion du gène. Non. Donc réponse juste c'est B et D. Commutation de classe ou switch isotypique. Résulte d'un phénomène de recombinaison génétique. Non. Est-ce qu'il résulte d'un phénomène de réarrangement? Non. Non. Concerne la partie conforme. Oui. Aboutit à la formation IgG, IgA et IgD. Oui. Allez, voilà. Et partout, mais n'empêche, hein, on peut synthétiser les IgD. Mais j'en trouve, mais elle a 30 mg de sérum. T'es clair? Pardon? La réponse secondaire? Les IGD, ben après, je suis une bonne fois, mais on peut synthétiser des IGD. D'accord, ben, les mecs, la partie variable que je t'en ai dit, on va synthétiser des immunoglobulines de classe différente. Hey, malheureusement, ça va même si dame et minou, ça va d'aller jeter pour trois cadavres. Donc, a lieu dans les organes infouillés primaires et dépendant de l'action des T. Donc, réponse juste B, C et E. Pardon? IGE. IGE aboutit à la formation IGA et bien sûr. Réarrangement des gènes de chaînes lourdes, TCL et AMLMA. TCL subit des chaînes légères. Peut-être proportionnel pour maturation ultérieure, oui. Est induit par la simulation antigénique. Non. Hein? Non. Se fait au stade TB. Non. Peut s'effectuer simultanément. Non. Donc réponse juste A et B. IGM sérique traverse le placenta. Non. 5 monomères. Oui. Et la plus concentrée. Non. 4 domaines constants. Oui. Est une immunoglobuline agglutinante. Oui. Réponse juste D, D et E. Alors, courant capable d'aller cesser. Courant sont capables d'aller cesser. Donc, avec un passage. Pardon? Les monocytes. Les monocytes, en fait, quand ils vont activer, ils vont devenir des macrophages. Donc, c'est les macrophages et les macrophages activés. On est d'accord, hein? Alors, commutation de classe, on vient dans les centres germinatifs. Oui. Mais la fête aussi. Oui. La santé, les centres germinatifs et les organes dans le public secondaire. Survient, fait intervenir les cytokines, ne survient pas chez les sujets ayant un défaut génétique en cet égard au ligand. Oui, à la part de ce sont des malades. D'ailleurs, à cause de ça, on dit bien que à la part de ne peuvent pas faire de communication.
population humaine quels sont les caractères communs. Même spécificité. Même isotype. Application d'interaction, c'est des garanties d'identité.